Salut à tous, alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo qui sera un duel de blagues en compagnie de Nicolas. Yo. And Toshi Mignon. Salut. Comment allez-vous? Bien. Ça va tranquille. Alors c'est parti, on va commencer. Qui veut commencer? Moi, ben, ça sera Nico et moi, et après l'un de nous deux qui perdra fera avec Toshi. On se retrouve pour la sortie pour la première blague. J'ai une blague sur les marques, sur les magasins. Mmh. Elle a pas super marché. Tu connais question pour un champion? Tu connais pas question pour un champion? Bon. Tu sais pourquoi il n'y a pas de ballon dessus là-bas? Parce que Julien Lepers. Il y a des ballons, et s'il y a des ballons, ben Julien le perce. Tu vois, le présentateur. Non? Pourquoi c'est difficile de conduire dans le Nord? Parce que les voitures n'arrêtent pas de caler. Tu sais, le Pas-de-Calais, là, le pays, là, Pas-de-Calais. Mmh. Voilà, j'arrête pas de Pas-de-Calais. Ah, ben, c'est bête, écoute, il faut faire avec. C'est l'histoire d'un panda qui en est marre de la vie. Et c'est ce qu'il fit. Il se panda. Tu comprends? Il se panda. Comme ça, un panda. C'est la vie. Je suis là, on avait mort. Bon. Comment est-ce que la chouette sait que son mari fait la gueule? Parce qu'il boude. Il boude. Il boude. Non? Ça marche pas? Il veut pas bouder? Non? Bon, bah, sinon. Go. Quel est l'animal avec plus de dents? La petite souris. La petite souris. On récupère les dents des enfants. Du coup, ça fait beaucoup de dents. T'as compris? Pourquoi est-ce qu'on met les crocodiles en prison? Parce que les crocos dealent. Les crocos dealent. Ils dealent les crocodiles. Non. Ils sont gentils les crocodiles. Mais non, s'ils disent, ils sont pas gentils. C'est ça qu'ils vont en prison. Deux mamans discutent. J'ai perdu mon chien. Fais passer une annonce, ça ne sert à rien, il ne sait pas lire. T'as compris? Il y a une annonce. Mais tu sais, c'est pas lire. Alors, les blagues de Bond sont un concept pour faire croire que les autres femmes sont intelligentes. Les blagues de Bond sont un concept pour faire croire que les autres femmes sont intelligentes. C'est beau d'y croire quand même. Ah, c'était ça ta blague? Je crois qu'il y avait une réponse à ça. Toc toc toc. C'est Seb. C'est pas la mer qui prend l'homme, c'est l'homme qui prend la mer. Voilà. Qu'est-ce qu'une blonde avec un cerveau? Une personne en votre disparition. Ça devait exister ça, une femme avec un cerveau? Sûrement. C'est l'histoire d'un prêtre qui rentre dans sa maison. Et le caissier lui fait: Que voulez-vous monsieur? Menu enfant. Ah, vous voulez jouer avec? Ah non non, je veux juste un enfant. On prend un prêtre qui veut juste un enfant. Pourquoi dit-on que les poissons travaillent illégalement? Parce qu'ils n'ont pas de fiche de paye. C'est fiche, poisson, en anglais, paye. La feuille de paye, quoi, là. De paye. Non, pas. Ok, tant pis. Arigato, nasa kama.
Quelle est la différence entre un nain et un aveugle? Ils n'ont ni maître ni dieu. Tu comprends? Ils n'ont ni maître ni dieu. Ils n'ont pas de yeux, ils n'ont pas plus d'un mètre. Voilà. Alors t'imagines si c'est un nain aveugle? Alors là, il n'y a rien du tout pour lui. Pourquoi est-ce que les Mexicains mangent aux toilettes? Parce qu'ils aiment manger épicé. Je connais ma furie à chaque fois. Tu connais le comble pour un boulanger? C'est que plus sa brioche est grosse, moins il voit sa baguette. Plus la brioche est grosse, moins il voit sa baguette. Tu vois le truc? Faut qu'il arrête la bière. J'espère qu'ils vont avoir cette blague. Hein. Quel fruit est assez fort pour couper des arbres? Le citron. On va pas comprendre la logique des citrons qui coupent les arbres. Est-ce que c'est une citron? Oui. Alors, quelle est la différence entre un homme et une tomate? Non. Les tomates finissent par arriver à maturité. Que fait un cendrier devant un ascenseur? Il veut descendre. Et descendre. Et pas descendre, descendre. C'est des et descendre. Descendre de, tu sais, de la cigarette, là, descendre. Non. Qu'est-ce qu'une manifestation d'aveugle? Un festival de Cannes. Tu la connaissais, hein? Mm-hmm. Merde. Mm-hmm. C'est Maman Nuage et Petit Nuage qui se baladent et d'un coup, Petit Nuage s'arrête et dit: Maman, j'ai envie de faire pipi. Pipi. Quel est le point commun entre un homme et un élastique? Eh bien, au réveil, il s'étire, il s'étire, il s'étire et il pète. Parce que l'élastique, ça casse. L'homme. Qu'est-ce qu'un yaourt dans la forêt? Qu'est-ce qu'un yaourt dans la forêt? Un yaourt à tire! Avale, 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 vite. C'est un homme et une femme qui vont se coucher, tu vois. Et il y a la femme qui demande à son homme: chéri, est-ce que tu m'as déjà trompé? T'es endormi? Non, je compte. Oui. Que dit une imprimante dans l'eau? J'ai papier. Non, elle n'a pas de papier. Qui est dans l'eau, elle n'a pas de papier. T'as oublié de faire le plein. Allez. Deux amis discutent, d'accord? C'est deux bons vieux potes et tout, autour d'un petit verre, et il y en a un, il fait: hé, dis-moi, chez la femme, le clitoris, c'est devant ou derrière? Son pote lui répond: c'est devant. Et l'autre lui répond: et merde, j'ai encore léché un hémorroïde de toute la nuit. Que fait un employé chez Sephora à sa pause clope? Il parfumait. Hein? Parfumait. Ou parfumé. L'un des deux. Non? Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu.
Qu'avez-vous pensé, Toshi et Nico, de cette vidéo? C'était sympa. D'accord. On a rigolé. D'accord. Petit détail, n'hésitez pas à vous abonner à ce petit monsieur. Rappelle-nous ta chaîne. Ma chaîne YouTube, c'est Nico Lixiosa. C'est un peu dans le même style que JSIJS. Il y a moins de vidéos, mais tout autant de délire. Voilà, alors si vous aimez le délire, n'hésitez pas à y aller. Je mettrai son lien dans la description. Ce sera plus facile pour vous de le trouver. Voilà. Sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.